Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec l'objectif d'avoir l'entièreté de l'Afrique. Je vais renommer cet objectif l'Afrique rose parce qu'il me semble que... Alors je suis daltonien mais il me semble que... la France est en rose, c'est ce que m'a dit un copain. donc avec l'objectif Afrique rose tout simplement. On veut toute l'Afrique à nous, toute l'Afrique en rose. On a un petit problème d'approvisionnement en opium. Et c'est chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de l'opium, il y en a par là. Il est où? Il est où? Ah, ressources de luxe. Non, par exemple, en Calat. Ouais, et en Sindh. Donc, je vais faire une petite entorse. Je vais prendre le Gwadar pour avoir un point de débarquement. Je vais prendre le Markand, le Calat, pour avoir l'entièreté de la province. Et je vais prendre le Sindh juste après. Et si jamais le temps que j'arrive le signe se fasse prendre, je prendrai le Punjab. Niveau diplomatie, impact défensif avec le marquant. Ok, ça me va. Donc je vais déclarer de l'intérêt. On va laisser passer un petit peu de temps. Pour que l'intérêt se prenne en compte, faut pas déconner. Et on ira prendre le port de traité. Avec un peu de chance, il se défendra pas. Parce que c'est l'Oman, il n'est pas très très puissant. Et s'il se défend, ça me permettra aussi de prendre la côte. Prendre le port de traité. Hop, on confirme. Voilà, Markand ne soutient plus l'Oman. Si jamais... Pardon, oula. La voix qui part en cacahuète. Ça c'est le réveil. Si jamais il veut se défendre, bah là je lui prendrai... territoire à Zanzibar. Eux ou moi? Oh, Antoine Roux, t'es un gamin. Au moins 20. Ouais, non. Prends ton moins 1 là. C'est bon. Empire Ottoman soutient Oman. Oh! Alors ça m'intéresse. Parce que l'Empire Ottoman, il a Tripoli. Donc on va ajouter tout simplement transférer un sujet. Tu vas me donner la Tripolitaine. Voilà. La Perse soutient l'Empire Ottoman. C'est nouveau ça. Et ouais, il y a du soutien quand même. Ah, c'est un peu chiant ça. C'est pas grave. Après, comment il le sent? Très inquiet. J'hésite à me faire un port de traité, mais je sais pas s'il va. Il va continuer. Je suis pas sûr qu'il continue en soi. Zacatecas, c'est quoi? Ça, c'est le Mexique. Ça, on s'en fiche. Pour soi, juste récupérer Tripoli, c'est bien. Et si ça passe pas, c'est pas plus grave. Ville d'abondance. Qu'il fasse la fête. Mine d'or épuisée. Ah, ça doit être en Hokkaido, ça. Ou en Guyane, en Hokkaido. On va pouvoir... J'arrive pas à cliquer. On va faire les 3 mines d'or, là. Hop là. Ça me rajoutera un bon PIB. Ok, bon, il a continué quand même. Pourquoi pas. On va faire une invasion navale en Oman. Et on va tenter une invasion navale en... en Gwadar. Je suis pas sûr que ça passe là, par contre.
Ok, on a une bonne production ici. On commence à avoir un bois un petit peu cher. Enfin, c'est encore raisonnable. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la production de bois. Hop, ici. On a 8. C'est-il qu'il y a du bois? Ah, ici aussi, on a pas mal. Voilà, ça fera un peu de bois dur. On verra juste après. Alors, ça se passe comment? Ça devrait se passer bien normalement. Ouf. Ah oui. Ça se passe pas mal du tout. Bien militaire coûteux. On commence à opium. J'utilise plus. Ah mince. Je pensais avoir retiré ça. Ok, Zanzibar, il va tomber. Le Kikuyu vient en Normandie, ok. Ah, j'ai pas mal d'impôts non perçus, mine de rien. Du Niger, ouais. Tu peux pas me dire qu'on est le tas du Niger, j'ai 13 000. Gaspillage fiscal. C'est dû à quoi ça? J'ai du gaspillage fiscal. Pardon, j'ai du. Oh là, j'arrive pas à le dire. J'ai du gaspillage fiscal, mais je ne sais pas à quoi c'est. Ok, la Lomane ont intercepté, mais je sais pas ce qu'ils vont intercepter. Ah, ça va pas réussir là. Si? Oh, ça réussit, j'ai de la chance. Normalement, ça réussit. Là, normalement, je vais en avoir aussi un deuxième en Perse. Ah bah là, ouais, c'est déjà tombé. J'ai même pas eu le temps de voir que c'est déjà tombé. Je pourrais tenter ça. Non, parce qu'après, il y a la Perse derrière, c'est sûr. Est-ce que je peux tenter une invasion navale en Thrace? On va essayer ça. Là en Oman ça passe tout seul, ouais. Alors 81, c'est bien parce que là il y a l'Empire Ottoman qui envoie tout en plus. Là ça a été pris. Ah oh, mais j'ai oublié de lui demander. Oh c'est pas grave. On ira rechercher les territoires un peu plus tard. Ok là ça va tomber, ce qui fait que. Enfin, ça se prend tranquillement. Ce qui fait que dans 17 jours là il y aura moins de. Ah déjà! Alors avec un peu de chance, il n'aura pas le temps de faire le retour pour la défense. Mais le principal, c'est que j'ai mon port de traité. À Gwadar. Si jamais je peux pas prendre le port de traité en. Si jamais je peux pas pardon, prendre Tripoli de suite, c'est pas très très grave non plus. Alors ça m'arrangerait de pouvoir le prendre. Ah ça me retardait. Ah dommage, ça va me retarder le débarquement. Pas pris ça en compte. Faible accès au marché en Champagne et en Normandie. Ok. On va faire ce qu'il faut. Donc une voie ferrée en Champagne, une voie ferrée en Normandie. On va vérifier que dans le Limousin, la production de moteur suit. La production de moteur ne suit pas. L'acier est un pouilla cher, on va l'augmenter un de 3 niveaux. On exporte ou pas du charbon? On n'exporte pas vraiment. Est-ce que je suis en production à l'explosif au charbon? Sinon je passe comme ça, hein, et j'en vends. Ah tiens, je suis pas en production. Ok. Oui, je disais rural. Charbon. Je suis pas en production à l'explosif. Ok. Je vais en exporter parce que il risque d'être il risque de pas être assez cher. En exporter sur le marché italien. Je suis obligé de prendre des bateaux sur le marché italien alors que c'est. Ah il n'est pas relié directement. Ok.
sur le marché russe. J'ai besoin de moins de bateaux. Alors un peu moins en quantité aussi. Ah. On va exporter ça sur le marché russe dans un premier temps. J'exporte tout là? Attendez. Je vois pas mon charbon. Mon charbon. Ah ok, non, c'est parce que le temps que la route grandisse. Ok, il y a un soulèvement. Oh, c'est bien, c'est un bon soulèvement en plus sur un territoire assez gros. Oh, j'aime ça. Bon, là, ça risque de foirer. Ça va foirer, hein, de ce que je vois. On a moins d'attaques. Sur un malentendu, non, non, ça se joue pas à grand chose. Ah, c'est à cause de la bévue. Si on n'a pas de bévue, ça peut passer, hein. On va essayer de leur envoyer François Achille, là. Ça peut passer sur un malentendu. Allez, on va les renvoyer, on va essayer. Ça, on va pouvoir prendre un bon territoire là. Bon, il n'y a pas grand chose en général sur ce genre de territoire. Ah, quand même, soufre et charbon, mais il n'y a pas beaucoup d'habitants. Ok, au niveau de la production, il me semblait que c'était le plomb. Il y a du plomb qui est cher, non? Si. Je vais augmenter de 2 le plomb. Enfin, il est cher. Il est un petit peu plus cher si je peux baisser son prix. Je vais pas me faire prier. Honorable 2,1, ça c'est très bien. J'irai chercher Ah, j'ai jamais accepté ça moi. Quoi? Donc il a réussi à faire la paix alors que moi j'ai pas dit oui. Oula! Alors, je vérifierai sur la vidéo, mais... Lui il a réussi à capituler comme ça. Sans avoir de main. Pas comme ça que ça marche dans la réalité. Il y a eu un petit souci là, je crois. Il y a eu un bon petit souci là. Oh, j'irai vérifier ça. J'irai vérifier. D'accord, j'irai vérifier ça. Bon, il défend le sud. Peut-être que je passerai pas au niveau du sud, mais bah, le nord se fait bouffer quoi. Écoutez, c'est pas bien grave. Indomental. Ok, les Indomental qui sont sur petite rébellion un tout temps, c'est bien ça. Ça les occupe un coup. Quand on a une nouvelle technologie d'armes, pourquoi pas En vêtements, on est encore en Ardèche. Ah, c'est fou. Hein. On peut faire quelques ports. On va faire ça, allez. Quelques ports de pêche. On va faire 7 et on avait besoin de vêtements. Encore du textile, c'est fou ça. À moins que je peux passer sur les machines à coudre. Ouais. Impeccable. Ce qu'on va faire sur l'entièreté du territoire, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres autres qu'en Normandie, et on va passer en machine à coudre, ce qui fait que mon marché devrait être...
Ok, ça vaut même pas très cher, c'est plutôt pas mal. On va en exporter quand même. Autant productif, ah bah super. Ah oui, mais si, c'est normal. Donc on va exporter un peu de vêtements. Pas trop non plus. Marché prussien, hop, ouais, parfait. Je veux pas que les vêtements ils soient trop chers. Nourriture. Ok. L'acier. Ah ouais, l'acier est vraiment cher là. Pourtant, j'avais fait des niveaux d'aciérie supplémentaires, non? Ah, il est en recrutement. D'accord, ok, c'est pour ça. Il est en recrutement, c'est que ça, c'est pas pris en compte. Le verre est correct. J'ai pas moyen. Ouais, si on l'avait augmenté de niveau, je crois. Le papier. Papier, je pourrais passer en blanchiment de papier. Ça me demanderait par contre de la teinture, que je n'ai pas encore. Le papier est pas forcément cher, je sais pas. Papier est pas cher, donc non, non, on va pas le faire de suite. On gardera un peu pour plus tard. Le tabac. Ok. On peut faire de la production de tabac. Alors, en Sierra Leone, apparemment, il y en a. Ça, c'est pas moi qui peut le faire. En Guinée, je suppose qu'on peut faire du tabac aussi. Ouais, bingo. Commencer par une dizaine de plantations de tabac en Guinée. Hop, ça va être nos premières. Ça va être nos premières. Comment ça s'appelle construction outre-mer, j'ai envie de dire. Enfin, en Afrique. Ah oui, et je voulais incorporer des états. Une 10.3, c'est bon. 200, c'est cher. 142, c'est cher. 57, ça va. Ok. C'est pas si mal. C'est vraiment pas mal tout ça. Là, ça va se faire. Afrique du Sud radicaliste, ok, renoncer. Région statique isolée. Ah, j'ai pas mis de port là-bas. J'ai pas de port, ok, c'est pas grave. Accord commercial. Qu'est-ce qu'on a en échange avec eux? Oh la vache! Attends, on leur apporte vraiment tout ça de tissu? Ah ouais! Ah ouais! Ah, tu m'étonnes que mes usines tournent bien. Je me disais, c'est marrant, je produis pas de... Attends, je me suis pas fait la réflexion que je produisais pas de tissu? Enfin, que j'augmentais pas ma production de tissu et que pourtant j'étais mince. Oh. Un petit loupé de ma part. Oh, je peux en produire du tissu, non? Ouais. En Volta, je peux en produire apparemment du tissu. Ah, il y a du coton, il y a beaucoup de personnes. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Je vais faire trois plantations de coton, ça va me permettre de faire moi-même mon propre tissu. Ok. J'ai pas autre chose hein, d'intéressant ici. Ouais, du tabac, de la teinture. Ok. Je vais pas vous mentir, ça m'embête de faire du coton là où je peux faire de la teinture, etc. Je vais voir si je peux en faire autre part. Ouais, là je pourrais en faire une dizaine. En Gambie. En Gambie, je pourrais en faire une dizaine aussi. Et du sucre. Je suppose que je peux en faire là aussi du sucre.
Ouais, voilà. Ouais, allez, on va faire une vingtaine de cotons, donc une dizaine au Sénégal et une dizaine en Gambie. Hop. J'ai pas beaucoup de personnes pour y travailler, donc je vais pas pouvoir en faire plus. Là, je vais accepter. Allez. Ça me permettra d'augmenter un petit peu mes relations. On est même passé en positif là, au niveau argent, c'est bien. On a un bon solde à l'exclusion des dépenses temporaires. On vient de conquérir ça, l'entièreté de ce territoire. On a du soufre, du charbon, mais on n'a pas d'habitants, comme je disais, ça c'est dommage. On va pouvoir, hop, faire trois colonies supplémentaires en Aïr, en Agar et en Touat. On a bien avancé. Alors, je crois qu'au niveau infamie, on est zéro. Parfait. Voilà, aller chercher le Macran. Alors, 18 mars. Non, 22 mars 1856, Macran. Ouais, on va voir. Est-ce qu'ils sont en obligation due par l'Oman? Ouais. Mais ils ont rien d'autre. Donc on va conquérir l'État. Ça doit pas coûter trop cher. On a fini 7,7 seulement. Hop, et envoyer un péon de suite. On peut-être se faire aider par la Perse ou quelque chose comme ça. On fiche un peu. Normalement, ça devrait passer. Ah, j'ai un amiral qui est mort. Mon amiral occitan. Alors, arrogant organisateur. Ouais. Il est pas mal, hein. Commandant naval chevronné. Ouais. Hercule. Hercule Giraud. Hop, on va te promouvoir. 45, parfait. Et tu vas escorter les navires jusqu'à là-bas. Je peux pas établir d'autres colonies en Afrique. Ok. La Perse, ouais, l'Oman. T'es sûr de toi? J'ai oublié de te prendre un territoire tout à l'heure, mais là. Ah, mais il est très inquiet, il va jamais accepter. Non, il va abandonner. Il va très sûrement abandonner et j'ai pas envie de choper de l'infamie pour rien. On va vraiment être économe sur l'infamie au plus possible. Le tissu. J'en importe combien encore? J'en importe 3000. Ouais, c'est le temps que ça se recrute, hein, je suppose. Clipper, oh la vache, j'en fais des clippers. Ah ouais, mais c'est vrai, il y a ça aussi. Les clippers qui prennent de la du tissu. Est-ce que je suis bien au niveau infrastructure? Je suis bien au niveau infrastructure. Allez, on va pouvoir en vendre. Hein. Si les clippers se vendent, autant en faire. Et il y a du verre. J'ai du verre encore là. Une dizaine de verreries. Hein. Je pourrais faire une dizaine de verreries. Pas faire plus de porcelaine. Ça m'intéresse pas. Peut-être pas une dizaine. On va en faire 5. Ouais, j'ai. Bon, de toute façon, c'est trop tard pour l'objectif. Mais je pense pas qu'il. Enfin, il va pas abandonner, vraiment? Il est très inquiet, pourtant. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. Bah, je vais le bouffer, hein, c'est pas. Vas-y, bien commencer à améliorer nos relations mutuelles. C'est bien ça. Hop, fais-toi plaisir. Ah. Ah. Ouais, oui, bah oui. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça. J'avais pas pensé à ça.
Combien de temps ils vont mettre à arriver 40 jours? Oula, ça risque d'être un peu compliqué là. Faudrait pas qu'ils ferment le front par l'arrière, là ça m'arrangerait pas. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus les emmener là pendant qu'ils sont en train de pousser ici. Non mais arrêtez de me suivre aussi là au bout d'un moment là et. Non mais! Bon d'accord. Les objectifs ont été posés à Oman, c'est très bien. Voilà, s'ils veulent faire ça, on va jouer comme ça. Voilà. Dinka ont provoqué un soulèvement autochtone. C'est bien ça. Ça nous permet de plus conquérir. Alors. 1956, soulèvement Tinka. Ah, ok, de la migration, ça c'est cool. Okay, il reste une petite poche de résistance qu'on va finir. Investissement transfrontalier avec les Belges. Non, non, vous allez investir au niveau national. Sauf si vous êtes trop malheureux. Non, non. J'ai pas de pénurie, j'ai pas de faible accès au marché. En Gambie? Sérieusement? Oh, j'ai du mal lire. Mince. Bah c'est pas grave, on va faire une voie ferrée en Gambie. Là, il y en a pour 36 jours, c'est bon. Là, on devrait repousser les Perses. Moral moyen est de 0. Oh, c'est bugué ça. Ok, on peut pas. Là, ça devrait se faire normalement. Ok, conquérir. On a conquéri le sud du Balouchistan. Là, faut que j'attende. C'est bien, ça va faire juste de redescendre tranquillement la famille pendant que je conquéris le Dinka. Ok. Ah ouais, ça galère tant que ça, là. On va y envoyer tout le monde. Hein. C'est pas très grave. Ensuite. On va repasser sur de la prod. Les clippers, on avait géré ça. Le plomb, je peux peut-être augmenter un petit peu le niveau. Moins 131, et on va faire 2. Hop, comme ça il sera pas cher. Là on a ça, on va pouvoir incorporer l'état, commencer l'incorporation du moins. Et on va avoir notre production d'opium ici. Hein. C'est juste pour ça que je suis venu. Le blé, le thé, les machins, tout ça on s'en fout, on pourra en refaire autre part. On veut de l'opium. Ok. Ça galère encore ou... Ah, ah oui, oui, bah oui. Ah ouais, ça c'était beau ça aussi. La défense. La défense des bataillons qui se défendent. Oh la vache. La défense des bataillons qui se défendent est de 67,49 plus 53 en raison des défenses de l'armée, plus 25% en raison de bonne visibilité. La défense la plus élevée au monde est de 65%. Oh, faut que je l'envoie à un pote, il va rigoler. Voilà. Envoyez ça à mon pote, le fameux le grand divinator avec, avec lequel, bah, pour les personnes qui ont. Qui suivent ma chaîne depuis le plus longtemps ont vu la campagne sur Civilization 5, je crois. Il va bien rigoler. Ça sert de nos objectifs. Ça commence à baisser un petit peu les industriels. Là. Je leur ai foutu un moins 3 dans la tronche. Allez mec, là, vous êtes en...
en supériorité numérique d'environ 400%. 4000, pardon, pourcent. Enfin, vous êtes 40 fois plus. Ouais, donc on est sur du 4000%. Falloir passer, hein. Ok, on a l'opium qui est planté. Route commerciale. Oh la vache, ah oui, j'en exporte en fait des moteurs. Je les exporte chez qui? Autriche, Italie, Pays-Bas, Suisse. Ah, ok, j'en exporte un peu partout. C'est bien, c'est bien. Non, les moteurs, c'est dans le Limousin. Bon, on va pouvoir refaire un niveau, c'est bien. Parfait. Oh la vache! Oh. Ah ouais! Ah ouais, bon bah on sait ce qu'on va faire. Hein. Là, le doute n'est plus permis. On va passer en fusil à répétition. Et en canon lisse. Voilà. On va même pouvoir augmenter de 3 niveaux, je pense. Dans tous les cas, ça s'exportera. Et j'ai vu que l'acier commence à devenir cher. Oui, l'acier commence à devenir cher, dis. J'en exporte pas. J'en exporte pas en plus. J'ai bien envie de leur foutre un bon plus 5 là, à l'acier, un bon plus 5 au niveau. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, une voie ferrée. Et 5 aciéries. Et voilà, une trentaine de minutes là l'épisode. Bah, on va se laisser là-dessus. Voilà, bah là le Dinka va se faire conquérir normalement petit à petit, même si ça galère vraiment. Hein. Ok, la défense la plus élevée 40 et 81. Ils ont augmenté ça, c'est fou ça. Ils ont quoi? Centre de roulement. C'est quoi leur troupe en plus? Vraiment, c'est quoi leur troupe? C'est des conscrits. Ben, ils résistent bien, les salauds. Hein. Infanterie irrégulière en plus. Oh, ben, purée. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!